tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut ladies and gentle chat, chat man, man, man. What's up everybody, oh motherfucker. Du coup, aujourd'hui mon cher gros Maloc, on a la suite de ce qui s'est passé hier, des phases de groupe. Exactement, on a la suite hier, c'est bien gentil, bien sympathique, mais si c'est pas suivi aujourd'hui, bah ça sera pas la qualif. Mais du coup, gros, Falcon qui a sorti une game, mais titanesque. Titanesque, tu vois, on doutait un petit peu d'eux, puis finalement. Après, on a fait que le dire qu'il fallait une game. C'est ça. Et ils l'ont après. Et ils l'ont sorti. Les gars, du coup, on a le classement. Ça, c'est le classement du coup de la première journée en équipe dont on a assisté hier. Ouais. Et au final, mais voilà. On est quand même sur un tellement gros classique. Exactement. Avec le Biffle Shifty Soka premier, Almond Noob Skullface deuxième. Exactement, ouais. Par contre, gros, Prodigy Hockey Blizz, ils peuvent être fiers, gros. Hein. Ils sont là. Hein. Ils sont là, ils sont totalement là. Et ça sent la qualif aujourd'hui, même avec ce 86 points, je pense que tu joues ta qualif. Parce que rappelons-le, c'est top 14 la qualif. Donc là, top 14, c'est Lennon, 49 points. Donc, en vrai, normalement. Ils sont censés se qualifier, tu vois. Genre... Je pense que pour le top 7, à ta gauche, là, ça sent bon. Allez, mais c'est parti, attends, mais... Et première game, on n'attend pas du tout, oui, de 17h06. De pause, mais non, on est habitué, bah non, on est... Là, on était prêt à papoter, gros. On est presque déçus, quoi. Allez, c'est parti, let's go. C'est vrai. Alors... Oh. Attends, est-ce que le face, il s'est trouvé un copain dans les airs? Ouais. Il le regarde, hein, t'as vu, il a rien branlé, il le regarde. Ok, donc il y a du monde prison, il y a du monde partout. Ok, alors déjà je vois que Husker, Jackal, ils ont changé de spawn. Ouais, on Vision qui prend le premier blood. Premier blood de la journée. Équipe de Vision. Vision qui a bien dormi apparemment. Oh là, Jackal, pas la même équipe. C'est vraiment chaotique là. Alors Mati là, il est en train de courir, il est en train de se faire slay sa mère. Ouais. Ah, il y a King Gage qui a bien eu l'impression, Rodrigo qui a fait tomber derrière. Et encore la team Vitality est tombée, là, on les voit sur la feed là. Ouais, mais ils se refoutent sur la gueule. Mais Juke ouais. Vient de se faire confirmer par une autre équipe. Oui, ça sent pas bon. Là. Donc je me demande ce qui va se passer. Équipes, là. Ouais, c'est ça ouais, se au en tout cas, la map va pas s'élargir, il faut faire sa place et ils se foutent sur la gueule. Hein. En fait, t'as l'impression de voir la même chose que hier, quoi, mais c'est sans surprise. Anxiom qui est en train de se faire farmer par contre. Donc, ouais, il y a 4 équipes différentes. Lukinas, qui est ça? Parce que je le vois défoncer tout le monde. C'est les Brésiliens, là, qui nous ont un peu choqué hier et ils ont l'air d'être repartis sur le même pied aujourd'hui. Ouais, parce que là, il vient de faire tomber, mais comme un fou. Gros. Ouais, on les a beaucoup vus dans la feed, ouais. Ouais, Jackal, Rodrigo, ça traite dans tous les sens. En fait, c'est vrai que le meilleur moment, c'est pas forcément prendre les fights, c'est. Oh mon dieu! Tranquille. Deuxième? Magnifique. Oh mon dieu. Très oh là 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 là. D'une simplicité incroyable. Oui, vraiment. On aurait dit qu'il était en pubs. Ouais, mais en fait, je sais pas. Il était fatigué, le bonhomme, en face. Ouais, mais c'est la confiance aussi. Tu rentres en confiance dans ton duel. Après, j'ai vu que le sperme de chameau était vachement fatigant pour le corps. Ah oui, non. C'est fatigant, ok. T'as vu Biffle et Castillo, la ligne qu'ils ont pris? Ouais, ça se toise. Mais Biffle, parce ça que Biffle est tout seul là, donc il fait pas le fier. Mais Biffle est d'une patience, gros, dans ces endroits là, c'est incroyable. Hein. Moi je serais pas confiant à pas bouger ici. Hein. Non, y a aucune cover, rien. Il y a de la frappe dans tous les sens. Ok, Tomé, Lennon qui ratterrit sur Stivo en bas à droite. Anxiom. Oh. Et Anxiom qui vient de se faire châtier. Ouais. Il reste plus que Stivo qui est dans l'eau, qui est parti nager. Ça s'est très bien passé, j'ai l'impression, pour Tomé, Lennon, Jugay cette fois-ci. Bah, ils ont l'air d'avoir. Ouais. Oula, King Edgy prend un gros kill sur le toit. Est-ce qu'il va chercher? Ah, c'est risqué. Oh, il est fou. Oh, oh my god. Oh, mais... Ah, ouais, ils y vont comme ça, quoi. Ah, oh, mais. Gros, t'as vu comment ils se sont fait déloger, bah, et tout, là? Husker a pas l'air. Ils ont pas l'air réveillés encore. Les chakras sont pas. Ils sont pas alignés. Ah ouais, mais là, après le chakra, pauvre Husker, t'as vu les massifs qui s'est pris. c'est ma manière de dire ça, c'est... Ah bah, son tantra, gros, il dort même s'il... Oh mon dieu, oh les rats. Ouais, le setup de fou. Tomé, il a senti, hein. Tomé l'a senti, ultra instinct, les chakras encore.
C'est fameux. Ok. Il reprend notre angle pour break ça. Il veut vraiment se les faire. Hein. Ouais, mais là il a un 1v2. Bah non, ouais, il y a son Juki, c'est là, mais. Ok, si ça y est, Juki se prend le relais. Ouais, Juki s'y va. Ah, Juki, lui, apparemment. Oh, la bonne attente pour le teammate. Hein, ouais, super, bien joué. Ils ont bien joué ensemble, là, ouais. Les Brésiliens. Par contre, où est Tomé ? Enfin, tout est décortiqué là, ça va pas du tout. Eh ouais, Nantes. Non, mais ils jouent les uns après les autres. Non, c'est très mal fait. Non, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Et là, il y a Donkey qui va venir récupérer. Bah, en fait, mais what the fuck, gros. En fait, c'est quoi ? C'est exactement ce qu'on a dit, gros. T'as, désolé. Individuellement très bon, mais. Mais ouais, t'as Tomé qui a fait un gros travail de backup, etc., de les fixer. Et Jukase, c'est un char d'assaut, tu vois. C'est-à-dire, il est rentré. Il s'est sacrifié sans attendre Tomé et Tomé n'est pas arrivé au bon moment. La communication en cette équipe, elle est, elle est compliquée. Non, les trois sont anglais, il n'y a pas de raison. Oh, je crois que la team 14. Ouais, les Brésiliens. Les Brésiliens qui ont vachement en perf. Ils ont bien joué, mais ouais. Première game sortie premier. Ouais. Ah non, deuxième équipe sortie. Ouais. Qui est avec Dan. J'aime bien ce petit move là sur ce truc. Hein. Ouais, sur la nacelle là, le truc. Ok, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes noms dans la feed. Les Pazuka, les Believe, les Dongi, les Lennon, c'est toujours les mêmes qui se battent. Ouais, bah, après, mine de rien, les équipes qui se fight s'entraident, entre guillemets, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Sauf si elles se wipe. D'ailleurs, à propos de wipe, on a Amir qui vient de sodomiser Skull et. Belle moins 2. Ah ouais. Magnifique. Ouah, ça y est, les Nantomé, ils sont vraiment en bordure et se font chasser par Dongi. Il les met dans l'eau. Ok, smoke la gauche pour jouer la droite, c'est bon. Ça, c'est oh, très il bien explose joué, oh là 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 là. Oh merde. Et Tomé qui est oh my god aussi, lui, il reste dans l'eau. Ouais. Les nuns dans l'eau. Hein, autre équipe, Vitality. Il sait pas. Dans tous les sens, c'est une dinguerie. Et les trois, c'est tout le temps en triangle. Et ils veulent le wipe. Ils veulent le wipe. Ils veulent le wipe. Oh ouais, non, c'est bon. Ils sont partis sur une autre Dongi mission. Dongi 9 kills. Hein. Ok, putain, ça y est, Vitality sur le move. Aïe aïe aïe, l'autre est descendu. Pourquoi il est descendu tout seul? Donc il dit kill. Non, mais Axel, Dongi, maintenant qu'il se prend 1v2 et qui back. Non, mais il est mort. Il n'y a pas de back, gros. Il n'y a pas d'échappatoire là. Il n'y a pas de back qui soit. Il n'y a pas du tout de back qui soit. Il a lâché la cover. Eh ouais, je crois que Timo avait la ligne. Mais... Ah non. Son pote il a reculé. Et il a totalement reculé. Ouais, Jukis qui retombe. Mais c'est. Par contre, Jukis, c'est du 1 point. Même pas. Non, mais même pas. Jukis, 0 kill. Lennon, 0 kill, frérot. Non, en fait, c'est pas du tout bon pour. Ah là, non, mauvaise opération. Mais en fait, c'est de la. Genre, ils se comportent comme de la viande, Pichoun. Je te jure. Et hier, même quand ils ont gagné leur game, c'était du 1 pour 1, quoi. Prends un kill, je meurs, prends un kill, je meurs. Et ça, les gars, mine de rien, c'est. Ce genre de comportement, c'est dangereux pour le classement. Parce que ça rajoute tellement de points à des équipes. Qu'au final, en une game, limite, tu es sécure pour la journée. C'est ça, sachant que eux sont à la limite, à la bordure, donc ils donnent des points aux équipes. On a Tomé qui vient de se noyer là maintenant. Ouais, frérot. Là c'est. Ouais. Ah là, là c'est. Journée compliquée. Alors qu'on attend beaucoup d'eux aujourd'hui. Attends, il fait dormir vite fait. Ouais, super. Super, mais ça c'est pas bon pour toi, c'est ton équipe favorite. Et à Seidan qui a pris un bon kill, s'enfuit. Seidan il est incroyable. Ouais, il est incroyable. C'est sécurisé par Seidan. Petite frayeur. Ça me fait rire vraiment ce système d'encre. Un peu partout. Ouais. Les mecs qui ancrent et les autres qui partent. Exactement. Le mec qui réanime. Ouais, Allemonde. Allemonde qui se fait pas compter cet endroit, j'ai l'impression. Non, c'est fou. C'est ce que tu disais hier. C'est vraiment. On s'attend à ce que cette position soit beaucoup plus contestée. Beaucoup plus... Elle est au start quand même. Mais ils arrivent à sortir. Après, je vois pas de Breeman. Et Husker, de ce qu'on voit, n'arrive vraiment pas à appliquer son jeu d'habitude. Non. Clairement. Ok. On a toujours là Vita, Lennon. Ils sont encore en vie, Lennon, ils arrivent à revenir. Ils ont rien, quoi. Ils ont rien. Ils ont. Ah ben. Mais zéro kill et zéro arme. Non, ah ben non, c'est en fait, ils ont rien. Ils... Ah ouais, non. Ah ouais. Wow. Donc, Guy Bulif qui vraiment, mais. Se lèche les doigts de la team Tomé, Jukis, Lennon. Non, mais frérot, Bulif qui a 3 kills, l'autre qui en a 12 oui, quoi, ou 13. 12, tu te rends compte 15 genre, kills en. Mais en même temps, t'as les mêmes mecs qui reviennent toujours au même endroit et qui ressortent toujours à l'eau dès dans que ça va haut, pas. Ouais. Genre, qu'est-ce qu'il fait tout seul, Biffle, ici? T'as Soka qui frague ailleurs, Biffle qui... Ok, gros duel, hein. Mais t'as vu comment il l'a senti, gros? Ouais.
Genre, on, ces mecs-là, ils ont pas, vraiment. Genre, un bon son, quand, quand tu vois à travers, oh. Genre. Tu... Dongi qui est en train de, d'attaquer la Team Vitality. Ah oui, non, ça c'est des replays. Non, de, on a un replay. Tu me disais bien, il avait ah, on a le fight en bas à droite, en direct. Ah, oh, oui, oui. Biffle qui vient de perdre son duel, il me semble, contre Believe. Putain, mais la pace qu'ils mettent, Believe et Dongi. Et t'as vu, une texte toujours en retrait au sniper. Ouais. Pour aider, pour jouer si ça part en couille. Ouais, ça donne un peu d'infos et tout. Pour l'instant, Dongi qui joue. Bah, c'est, ils ont vraiment un système qui fonctionne, un duo, ouais. Un duo qui avance bien. Ouais. Et le troisième n'est jamais très loin, tu vois, comparé aux autres. Exactement. Hein. Assez safe, mais pas assez loin pour être invisible, quoi. Genre. Et Destroy, bah, même s'il fait du très beau jeu, il se retrouve contre la Team Noobs, bah, c'est Skullface avec la et tout. Pole pose du phare, là, tu peux pas faire grand-chose sur le tour. Hein. Bref. Ouais, non. Ça reback, Destroy qui tombe. Bah, il devait tomber, hein. C'était, oui, oui. C'était, on va dire, c'était beaucoup trop compliqué. Hein. 100%. T'as le monde dans la tour, t'as pas, tu peux pas reprendre ce bah, ça casse les couilles, gros, avec un... Mais, oh, Noobs qui a quand même 7 kills. Ouais, c'est donc, super. Donc, Noobs qui fait façon, du bon café. Ouais. Ils ont été hyper constants hier. Que du top 5, je crois. Que du top 5, donc ça veut dire que tout ce qu'ils ont joué, c'était propre, c'était maîtrisé. Et parce que t'as vu, ils ont le colis, comme t'avais dit. Ils ont colis top. Et donc, en fait, même quand ça part en couille, ils peuvent revenir regain et reprendre la pole pose pour le endgame. Un mec dans la tour, un colis sur le top. Je veux dire, qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Ah, on a les joueurs R6 qui viennent de débarquer. Ah, ah oui, ça met des mines partout, ça met des barbelés, ça. Ah là, c'est. Ça renforce les murs. Ah là, tu sais, eux, ils se sont trompés de jeu, gros. Je te jure. C'est une erreur pour les collègues. Oula. Oula là, donc ils. Oh, mais oh my mec, God. Ils vont sortir tout leur gunfight. Oula, deux morts par contre. Là, ça peut être très dangereux. Hein. Ouais, mais je crois que. Les termites font un gros café, ouais, à ce moment-là. Ouais. C'est une texte qui. Dernière vie. Ouais, c'est bon, tout le monde est up, tout le monde est re-up chez Dongi. Ouais, tout. Putain de merde. Ouais. Insortable, mec. Mais insortable. Oh, 15 kills, tu te rends compte. Et mec, à partir ça finira beaucoup, là. Hein. Mais 15 kills, mais surtout, ils jouent très très bien, tu vois. Genre. Et surtout, ils jouent ensemble. Ils jouent ensemble, ouais. C'est. La cohésion. Et la clé. 100%. Genre, trois joueurs moyens s'en sortiront beaucoup mieux. Mais il faut ce grain de folie que j'ai l'impression que Dongi a, tu vois. Genre, ce côté ouais. Chien fou. Ouais. Vas-y, suis-moi. Je vais le massacrer, mais j'ai besoin de toi pour mettre la dernière balle. Exactement. J'ai besoin de toi pour prendre mon back, mon truc, mon trade. Et moi, t'inquiète que je prendrai mon opening, tu vois. C'est exactement ça, Soulé. Oula, ça saute en dessous d'eux, là. Qu'est-ce que c'était? Ouais, Oula, mais c'est Noobs. Non, mais ils ont perdu pied, gros. Ah, il peut prendre la main 2, là, il peut prendre la main 2. Ouais, voilà, super. Et que quoi? Et c'est wallbang? Prendre des balles dans le dos, là. Il n'y a plus de redéploiement, hein. Donc là, gros griffe sur la team de Noobs. Hein. Attends, mais pourquoi? Je sais pas pourquoi ils ont push ça. J'ai aucune idée de pourquoi ils ont push ça. Regarde, mec, t'as vu ou pas? Soka, Shifty, bam. Ouais. Tranquille, ils se mettent un petit shop à côté d'eux. Ils sont tranquilles, ils sont là. Et on a King Geiji avec Quartz qui sont encore là, mais en attendant, ça va se massacrer à l'intérieur. Dongi, va se retrouver dans une sale. Sale histoire, sale affaire, ouais. Dongi qui est knock, mais pas confirmé. Ça y est. Ah non, c'est eux qui ont réussi à wipe. Non. Wow. Bazooka. Dongi. Dongi, voilà. Ersul qui est. Ulif oh, qui Almond. Wipe Vita. Oh merde, Almond qui est tombé. Oh Almond, my god! Oh mon dieu, t'as vu? La pression qu'il leur met tout seul. Et il les a fait s'échapper, gros. Voilà. Et il se fait wipe quand même, mais. Et Aiden, toujours en vie. Shifty en bordure, les trois en vie aussi. King AG toujours en vie. Hein. Avec Believe, ouais. Gros en vie. Hein. Pour le top 5, là, hein, parce qu'il y a le multiplicateur du top 5 qui est important. Oh, ils ont le pool. Ah, ça sent les Falcons. Ça sent le map 1 Falcon. À moins que Believe de sa hauteur, là. En fait, tu peux tellement faire des rotations de partout que les mecs se rota sur la gueule. C'est incroyable. Les bandes, ils savent l'un et l'autre qui s'entraîne à côté. Hein. Ouais. Oh, la termite! Il lui a pas collé là? Non, il lui a pas collé, gros. C'est par contre, c'était tellement bien joué, gros. Tu sais que limite, on a l'impression qu'il wallack les mecs. Hein. C'est. Ouais. Oh là là. Ouais, oh là Liam, il s'est chauffé. Hein. Ouais. C'est un peu fou. Et là, ils sont en grosse zone. Il va falloir sortir vite de là.
Aïe, aïe, aïe. Ah ben, il est mort. Attends, Beagle qui a très très bien tenu ouais, sa ligne. Ouais, tenu, d'accord. Top 5. Oh, Knight qui a le truc pour... Dans le gaz. Attends, mais Belief qui a encore envie. Ah non, c'est bon. Et là, c'est okay. Pour Falcon, 3v1. 3v1. 3v1 contre King Geji. King Geji, évidemment. Ça ne peut pas passer. Et comme quoi, aujourd'hui n'est pas différent. Falcon domine, Falcon maîtrise, Falcon s'impose. Ah, le teamplay n'est pas allé jusqu'au check. Oh là là, il a dit, écoutez-moi. Chut. Très très joli geste de la part de Sokka. Ouais, ouais, solide. Hier, il y a un mec sur Twitter, il m'a tellement fait rire, un Saoudien. Abdullah okay. Abdullah, gros. Ouais. Et il s'est pris en photo avec tous. Il prenait photo avec tout le monde. Il m'a régalé. Incroyable. Voilà, King Geji, 14 kills. Ouais, c'est avec une game solide. Avec un petit top 2, très très bon. Et oui, les stars locales. Ouais, Sokka, on dirait Mabzuel un peu. Sokka, beau bébé hein, de la nature, hein, il est vraiment costaud. Je l'ai vu dans la vraie vie, c'est... Ouais, ben ça se voit, tu vois, genre, tu sais, on dirait un peu un Maori. Ben, alors, figure-toi, je crois, il vient de... Ah, elle peut dire une connerie, mais je crois que c'est Tonga, quelque chose comme ça, genre... Il vient des îles, un petit peu. Ça se voit, gros, c'est... Genre, ces mecs-là, gros, ils ont des mains, elles sont énormes, des pieds, ils sont énormes, genre... Ils te foutent des tatanes, gros, tu sais plus où t'es. Triangle Infernal, Vitality, Tomé, et les Brésiliens. Au start, plus avec Bongi en supplément parfois, qui vient. Là, il faut qu'il fasse quelque chose. Hein. Ouais, faut changer. Bon, on a la même. Hein. On a toujours. Toujours pareil. Avec, je sais pas, un des deux, je pense que c'est Lennon qui joue un peu en retrait. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est au bord de l'eau. Et t'as toujours les bois, c'est ça. Et t'as toujours les Brésiliens qui sont en bordure, prêts à surd. Dès que ça part en couille. C'est incroyable. C'est toujours pareil. C'est toujours le même push avec les mêmes lignes. C'est une sorte de cercle infini, gros. Je te jure. Oh là, mais on est Beagle, c'est malade. Oh ouais. Oh, une balle. Non, mais avec cette arme. Oh oui, il a bien anticipé. Oui, super Beagle. Ça ferait être vite rentre. Non, mais l'anticipation. Et le bug. Non, mais l'anticipation, gros, est tellement grotesque. Magnifique. Oula, attention, et directement là, la team Eden en petit chien. Ouais, mais Liam qui a vraiment bien pris la coupe. Et super. Hengsun bon. Qui tombe, Lennon. Juki se prend des balles dans le dos. Oh, bordelique. Et là, c'est... Attends, regarde, mec, est-ce que t'as remarqué que Stewo et Tomé sont la même encre? C'est ça. Ils jouent... Ouais, super, Hengsun. Et Hengsun qui bute Showcase. Ça recommence, ça. Ça recommence. Et encore, les Brésiliens en bas. Et les Brésiliens qui viennent récupérer... Voilà. Attends, mais il a son arme. Ah, super, super. Attention, wipe, là. Oh là là, ça se... Oh là là, et Dongi, tu vois, et Dongi qui arrive à mettre le grain de sel. C'est pas possible. La team numéro 9. Eux, ils ont tout capté. Ils prennent leurs armes tout seuls et ils viennent. Mais ouais, c'est affreux. Oh my god. Et ouais, après, maintenant, ils vont farmer. Ils vont farmer les trois. Et là, c'est parti. En même temps, il faut être con, gros, pour toujours se spawn dessus. Je suis d'accord, faut être con. Je sais pas, enfin, ça manque d'un mec qui remet un peu la macro en question, quoi. Où ils ont pas assez de strat. Genre, il faut arrêter de se farmer. La même chose à chaque fois, gros. Et surtout que les deux équipes s'auto-condamnent à faire de la merde. Mais oui. Genre, les deux équipes ont le potentiel dans le top 10. Exactement. Mais elles n'y sont pas parce qu'elles se détruisent. Voilà. Et la seule équipe gagnante de cette histoire, c'est la team Dongi. Voilà. Qui en laisse Intex à la maison et eux, ils vont juste récupérer les kills. C'est, on fait les kills, on attend qu'ils se tirent dessus, on y va. Yeah. Fou. Ah, falloir remettre en question rapidement les stratégies. Ouais, mais. Je sais pas s'ils en sont capables à ce stade du jeu. Hein. Non, je suis d'accord. C'est quoi toutes ces plaques, ces trucs par terre là? C'était le contrat des drones là, que tu tires en l'air. Ah, ok. Drop des plaques, un drone et tout. Biffle, Biffle qui est en train d'exposer la team de Castillo, Deus, Samir. Et ils ont dit qu'ils allaient leur rendre la vie dure. Ça commence. Ils ont parlé, ils assument. Tu sais que ça va vraiment être problématique d'avoir des gens comme ça sur leur côte. Hein. Affreux.
Ils font le tournoi, ils te rendent la vie un enfer, je pense. C'est comme si toi, ils pouvaient pas te saquer, gros. Ils feraient tout pour te sortir. Non, c'est ça. Mais longtemps, l'année dernière, sur Mazra, on était en contest avec eux. Hein. Longtemps. Ah ouais ? C'est un enfer. Ouais. C'est, on allait à Charim et tout le temps bah, contre eux, et c'était vraiment tout le temps la même chose. On réfléchissait, un coup on gagnait, un coup ils gagnaient, un coup. C'était vraiment l'enfer. Bon, moi, ça vous a bien entraîné, tu vois. Et ça, par contre, ça nous a entraîné à pousser les strats de spawn hyper loin, quoi. Et après, tu joues des autres équipes, t'es tranquille, quoi. On va faire ça, on va faire ça, on va passer par là, on va faire ça. C'est ça, parce que la plupart des équipes ont quoi ? Ils ont une variation de spawn, tu vois, où il y en a un qui atterrit là, etc. Mais mec, eux, ils sont capables de préparer 5-6 variations de spawn. T'atterriras la gueule, atterriras en bas, prendre des armes, deux qu'atterris close, un qu'atterris. Ils peuvent tout faire, c'est ça qui est insupportable. Alors que la plupart des équipes font toujours la même chose, on le voit. Tomé et tout, là, ils font toujours la même chose. Passer. Oh ton kick, il les explose. Oh là 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 là. Il va vraiment les éliminer. Hein. Non, mais surtout, ils prennent même pas les kills, quoi, ils confirment pas. Non, rien du tout. Oh, wipe. Wipe pour. Ouais, Juki's wipe. Oh là là. Juki's wipe, frérot. Aïe, gros, pour Jukaze, les gars. On a la team Vitality là qui va se. Rota, ils sont partis. Bah, celui qui est en contrebas, il est condamné vu la zone. Il est un peu condamné. Sauf s'il passe par la par en dessous, il remonte, mais c'est. Team King AG. Là, ça communique là. C'est parti. Et ils vont. Ouais, parce que ça se tape contre Vitality là en bas, Wars, les contacts. Attends, mais il l'a pas eu ? Ah non, il a pris un blood, il y a eu un trade instant, deuxième kill. Oh ! Allez ! Ça joue bien. Ouais, super. Ah, c'est très bien fait. Bien joué. Et team 9, Dongui, est en train de rota tranquille à 3. Toujours dans les bons timings. La vision qui prend la coupe juste à côté. Ouais. Non, c'est assez propre. Le style de jeu est très propre. Ouais. Ils sont bien réveillés, eux, en fin de journée hier, et là, ça y recommence sur les chapeaux de roue. C'est important. Eux, ils ont fait les bons ajustements, tu vois. Contrairement à d'autres équipes. Ok, donc ils ont pris la cuisine. On a Bas Prison, on a l'équipe de Dongui, Liam qui est tout seul. Et Soka qui fait tomber Castillo. Ah là, ça continue. Ça continue dans le tourbillon. On a deux regains du côté Vitality avec Stio qui est pas bien, gros. Ils sont pas au top. Ils ont un petit colis quand même. Pas bien. Si, il y a le colis, gros. Il y a un petit colis, donc ça change tout. Attends, mais Stio qui est pété de thunes, gros. Donc ça va mettre un drone. Je te jure. Il gagne de l'argent comme il vient de passer de 9000 à 10000. Il avait rien fait. Bon, il a pas de kill, mais il a de l'argent. Il peut pas tout avoir. Oula, gros fight qu'ils ont là. La paralysante, direct le C4. Dongui qui va tomber. Ça peut être un wipe pour l'équipe. Ah oui, Ulive a réussi à se barrer, mais je sais pas comment d'ailleurs. Ah non, ça y est, wipe. Non, wipe. Qui a récupéré. Ah oui. Ok, wipe pour. C'était dangereux. Hein. C'était dangereux, ouais, ils étaient très collés. Se balader à 3, il faut que ton gros fragger. Si ton gros fragger, mais il a un mauvais timing comme ça. Ouais, exactement. C'est compliqué. Ouf, good shots. On va me chercher ce full. Pick up. Ok, oula. Oula. Ouais, ça reste bien. King AG continue à bien fraguer bottom. Oh, on a Stio qui vient de faire tomber Rodrigo, gros. Rodrigo, ouais, parce que tu les vois là, les 6 là, ils sont. Les Vitality. Ils sont dans le sous-sol, je crois. Et les Falcons tout seuls à gauche de la map, tout seuls. C'est déjà que ça sent bon. Ça sent bon le top pour eux, après on l'a vu, il faut des kills. Hein. Faut des kills, mais bon, sur la feed on les a vus, ils ont bien. Après c'est quelque chose aussi, tu vois, d'être en LAN, de gagner les games. Ah, faire des kills pour te qualifier, ça... c'est bien. Alors regarde le set, ça y a des gens qui regagnent sur eux. Ils vont gratter des kills. Ça. Les paralysantes font très très mal. Hein. La méta, la méta para est insane. Hein. Ouais. On l'a vu hier, c'est clair que c'est. Oula, Stukex qui est voilà. Dur à jouer. Oh la D5. Il va tirer dans l'orteil avant qu'il rentre. Dans le talon d'Achille. Oh là là, gros. Il y a. Oh le serveur dégueulasse, gros. c'est abject. Bah, il a peut-être dû tirer dans le talon, quoi. Mais c'est vrai que ça connecte bien. Mais... un peu trop, même.
Ok, Castillo qui vraiment, bah du coup, ils ont une game qui est difficile. Et Castillo, c'est fini, gros. Castillo, Castillo qui vient de se faire wipe. Ah ouais, bah, ça sent l'élimination pour aujourd'hui. Hein. Je te mens pas, ils étaient avant-derniers. Après, il va leur rester des games, mais c'est vrai que ça pue. Hein. Ça pue. C'est clair. C'est un rush de combat que je suis en train de voir là. C'est un rush de combat. On voit pas souvent. Ah, c'est. Qui fait y a personne. Deux kills, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais. Un peu plus haut. Le 13. Okay. Ah, Stukex. Ah, il est pas vrai. Stukex qui s'est fait croquer. Ouais. Shifty Beefle qui sont vraiment tranquilles, tu vois. Ils sont en train de prendre la température dans les tentes, voir s'ils peuvent rota tranquille. Mais ils sont d'une chillance, gros, c'est incroyable. Hein. Ouais, le drone qui va faire du bien, là, on voit pas trop, mais. Il a un advance, d'accord, ok. Mais regarde pourquoi est-ce qu'ils ont mis l'advance, parce que ça va s'arrêter. Ouais, exactement. C'est terminé. Plus de redeploy, ça y est. Hop, plus de redeploy. Donc et là, maintenant qu'il y a plus de redeploy, là, ils vont jouer. Ils vont se dire, ok. Mec, c'est des prédateurs, gros. Là, il voit la dernière zone, il voit là où il y a des points faibles, il y a où que deux mecs, un mec, tout ça, et ils disent ok, on fait ça. C'est génial en vrai. C'est la strat, hein. C'est un confort de game. Oh, en somme de chez ouais. Vital, les gars, qui fait tomber Skull. Skullface qui vient de. Aidan qui a une très bonne position. Hein. Oui, j'aime bien. Probable un peu comme ça. Bon contrôle du bas. Même si. Pas beaucoup de kills. Ouais. Ah. Let's go Falcon, ça crie. Ah, mais c'est les locaux, hein. Ouais. Et ils veulent le back-to-back. Et je pense que ça va arriver. Ah, ils vont. Je pense aussi qu'ils vont y avoir le droit. T'as vu comment ils ont mis l'advance, c'est direct, ils prennent de la pose. Mec, il prend la hauteur, en fait, il va évoluer là, hauteur par hauteur. Ouais, dans, exactement, ils sont de deux dedans. C'est un classique hein, qu'ils vont faire. Classique, hein. Bien sûr, mais. Mais Anxiom, Patsuka. Putain, on a King Geiji, Wars. En fait, connaissant les animaux là. Oh là là, là ça peut être un gros bordel. Hein. Ouais. Les trois sur le toit. Oh, là t'as trois bonnes équipes. Hein. Là t'as trois très très bonnes équipes. Hein. Et trois full team. Hein. 3-3 et 3. Hein. Alors là c'est. Il y en a qui vont pas en sortir indemne. Hein. Ça peut quand même vraiment être le bordel. Hein. Ouais. Questionnable hein, quand même comme choix de la team de la part de Falcon. J'ai envie de voir comment ils sont. Aïe, les premiers à craquer, à sortir un peu vite, peut-être c'est Vita, mais ça a l'air de passer. C'est peut-être eux qui s'en sortent le mieux du coup à partir vite, parce que là ça va être compliqué. Hein. Ce que j'étais en train de dire, j'étais avec un advance, c'est particulier comme choix d'aller se remettre en hors zone et tout. Attends, mais ils sont repartis en zone là? Ah, ils vont temporiser. Non, mais ouais, mais le fait de d'être remonté, de jouer là, parce que sachant que la zone allait descendre plus vers les tentes, enfin c'est. C'est un peu un choix particulier quand même. Là ça risque d'être très très dangereux, gros. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Gros move de Eiji. Ils vont s'ouvrir le shop et acheter des trucs. Ils vont gratter le top 5 comme ça, je pense. Ouais, très bien joué. Deux teams full zone là. Hein. Ah là vraiment ça tend pour le gaz, gros. Stivo à bas gauche. Ça y est, un peu sur le move. Ah, il y a le repool en arrière là. Ah, ça dépend combien de PDS ils ont. Ils se font attaquer. Ils se font attaquer. Ah oui, King Geiji, le massacre. Ils se sont complètement laissés surprendre. Ouais. Et là, ça se fout sur la gueule dans le gaz, gros. Ah, Soka qui renoc, super. Oh. Ah. Ils ont wipe quand même. Je sais pas comment, les mecs se font surprendre, ils arrivent quand même à les wipe. Incroyable, gros. Ouais. Ah non, mais ça fait combien de temps qu'ils sont dans le gaz, gros? Ça fait, je pense, une bonne minute, hein, presque, hein, c'est impressionnant. Impressionnant. Et l'équipe d'Aidan, c'est son nom, l'équipe d'Aidan, hein, bien placée. Ils sont encore là-bas, ils ont Rez. J'ai bicaté sur le toit. Il va se faire griffer, lui, hein. Ouais, fais attention. Oh my god. Non, mais, mec, non, mais attends, mais surtout, ils avaient combien de PDS, gros, pour. Ouais, ils en avaient, je pense, au moins de chacun, presque.
entre ceux de la Team Vision et la Team Soka. Mais regarde ça, Soka, ils ont la hauteur, gros. Ils sont max de chez max de chez max. Oh my god. Comment c'est possible de leur laisser faire ? C'est encore une frappe qui va faire extrêmement mal. Oh mon dieu, c'est pas possible. Là, il met la frappe, c'est exceptionnel, gros. Oh, j'ai envie de la voir, cette frappe. J'ai envie de la voir, s'il te plaît, mets-la. Oh, il n'y a plus personne, gros. Ils vont gagner. Ils ont gagné, mais c'est fou. Tout le monde s'en fout. Oh my god. Avec un play en zone si long, mais tout le monde les a oubliés, quoi, presque. C'est pas possible, ils ont fait 2 minutes dans le gaz. Oh là 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 là. Ouais, comme quoi, tu vois, c'est là où ils sont bons, c'est que même quand ils ont pas les éléments pour gagner, genre, ils gagnent. Ils gagnent, quoi, genre, c'est ça. Parce que oui, c'est bien de gagner quand t'as la zone, quand t'as fait ce qu'il faut pour la zone, mais quand t'as rien. Mais mec, t'as envie de te démerder, c'est que c'est là où tu te dis, ok, là il y a quelque chose, genre, cette équipe, genre. Putain, il les fait danser, les Saoudiens, Soka, gros. Les Saoudiens. C'est parti, baby. Est-ce que leur cerveau va reprendre le relais et est-ce qu'ils vont faire autre chose? Bah non. Allez, c'est parti. Bah si, bah non. La même. Et on a Omitenux qui prend le contrôle de la tour. Deux dans la tour, c'est parti. What the fuck? Non mais il est fou, lui, gros. Ouais. Non mais Nate Dogg, il a perdu pied, gros. Mais lui, c'est pas la première fois qu'il fait des trucs comme c'est ça. C'est pas la première fois, c'est un peu son problème. Ouais, c'est un peu effronté. Ouais. Et donc il fait le contrat des drones. Ah, mais c'est bien ça, il fallait le mettre le classement haut à droite depuis tout à l'heure. Oh là là, magnifique ça. Ouais. Tomei qui va se faire farmer par prodigiste, voilà, maintenant. Déjà ? Oh non. Ah mais oui, parce que ça y est. Se rajoute sur ce côté là de rivière, prodigie, ouais. Avec Wiz et tout. Et du coup, il n'est plus en sécurité, Tomei. Il n'y a plus d'encre de ce côté là. Alors là, ça peut vite tomber. Mais vraiment, mais ils ont pas regardé les replays ou quoi hier je pour savoir pas, que. Normalement, tu le sais, qui est où. Ouais. T'as le temps d'étudier ça. Un peu de sérieux, quoi. Ils ont pas fait les devoirs. Exactement, comme on a dit hier, ils n'ont pas fait leur devoir. Ok. Wow. Oh, pas mal. Ça fait mal, ça. Ouais. Ok, G-Tech prend un premier blood, il se fait trade, mais le trade est là. C'est trade sur trade. Très bien joué de la part de lui. Il faut aller full d'abord, non? Il a pas full. Okay, c'est... Ouais, bah ouais. Merde. Aïe. Là, il a mal décortiqué son action, là, hein, parce qu'avant de taper son teammate, il faut s'assurer de... finir ce kill. Bah ouais. C'est bon, on va peut-être le récupérer là, non? Wow, le chase fait... Ouh, la Destroy qui a ralenti un peu, il s'est pris les pieds dans le trottoir. Bah, J-Tech qui l'a chopé. Putain, mais ouais, un peu de petit cafouillage, on va dire. Ouais. Sans peut-être un peu de stress, ce truc. Parce que c'est des équipes qui sont sur le fil. Parce que là, il reste plus beaucoup. Hein. Non. Jowoo qui est en train de se faire sodomiser, hein, ouais. Le pauvre. Hein. Et Cloud9 a besoin de bonnes games. Hein. Et là, Forrest commence à se faire isoler. Ah, il chale tout seul. Believe, dommage. Ah. Okay. Ça, oh my god. Je savais même pas que ça passait à travers les portes en ferraille comme ça. Ça y est, ça passait à travers les portes en ferraille, quoi. C'est pas très conventionnel. Non mais Jowoo, pourquoi? Je sais pas là qu'est-ce qu'il imaginait. Mais Adongi, tu ne lui fais pas comme ça. C'est... Oula, Jukiz. Jukiz, gros. Un overextend. Et là, il a eu la chance. Là, il va tomber. Non, il tombe pas, gros. Il est mort déjà. Ah merde, Jukiz, pardon, ouais, je pensais non, que tu parlais de Dongi. Non, Dongi qui lui ne tombe pas, justement, bien plus discipliné de son jeune âge que Jukiz du haut de ses. Je sais pas quel. Ok, Lennon qui est sur le chase. Ouf, bien joué. Oh my god, gros. Et non, mais ouais. Attends. Il a une bonne cover, je crois qu'il a une très bonne cover. Et la Believe qui est... Ah bah c'est mort, ça y est, ils sont fait wipe. Believe et Dongi sont fait wipe parce qu'ils sont fait sandwich par l'équipe d'Aidan. Et ouais. Putain, comment la mort peut arriver vite dans ce secteur. Hyper vite, ouais. Ah, Nenon qui continue, mais qui over. Nenon qui a kill Aidan.
Ah non, qu'il y a juste Nock. Juste Nock, ouais. Donc il prendra pas le kill, là. Non. Il vient d'où, Dongi? Dongi, un Américain. Ok. Un Américain, pur produit du Texas. Je sais pas. Magnifique. Mais en tout cas, tu le sens que ouais, Call of Duty, c'est dans ses veines, quoi, depuis... Ah, ça graille. Ouais. Prodigy qui refait tomber Tomei. Jukase qui revenge. Ton mec qui est pas mort du coup. Y'a moins que ce soit cette game, hein. Y'a moins que ce soit cette game maintenant qu'il y a Prodigy et tout ça à côté, ça va leur faire un peu de viande en plus. Ouais. T'as plus les Falcons donc le lobby va respirer un petit peu. ça peut se fight partout. T'as plus Allemande, aussi donc rien, deux grosses équipes qui mettaient du volume qui sont plus là. Ok, Mojo. C'était pas mal ces balles à Mojo. Pas payé. Bon, ouais, je suis d'accord, c'est vrai que ça a pas beaucoup touché. On avait l'air dessus. Aïe, le cross qui est dur avec la tour. Ok, ça joue bien ensemble. Pas tomber si ça tombe. Il est harcelé, Mojo, gros. Il peut pas aider son collègue. Il est sous pression là. Ouais. Je pense que le LMX, gros, il va aller le sodomiser, gros. Oh, comment c'est un prédateur celui-là, gros. LMX, ça, c'est, ça bouge bien. Ah, ça. Les moves étaient pas mal là. Ouf. Blue Case, qu'est-ce qu'il fait? Il tente qu'il a la window, il va la voir. Donc, c'est le moment de collapse. Là, c'est le moment de tour. Là, il faut compter sur les mates. Ouais. Allez. Prends le relais, les teammates. Ah, non, ça veut pas. Les teammates qui aident pas, gros. Mais tu dois être fou, gros. Ouais. D'accord. Après, il avait une nade, hein. Il aurait pu la mettre aussi. Hein. Ouais. Et là, le kill il passe à la trappe, c'est un gros. Il a plus de plaque. Ah, c'est de ces points là. En fait, t'as vu tout ce qu'ils se sont déplacés, tous les risques qu'ils ont pris, tout ce qu'ils font. Oui. C'est pas efficace actuellement. Ouais. Et là, t'avais Oiki. Bon, là on est passé à autre chose, mais Oiki qui sont en train de faire des bons kills sur le côté. Il a mis parfaitement leur bordure. Hein. Mojo, ouais, Mojo, ça sent pas bon. Oh my god. À la mort. Oh, ça va. Oh là là. L'abus total. Oh, l'abus total. Oh my god, gros. Oh, okay. Il l'a pas respecté, gros. Non, il l'a pas respecté. Quand il a tilté qu'il y avait un Joe qui attendait sur le côté. Ouais, qu'est-ce qu'il nous fait, Joe là? Il n'y a pas grand chose. Oh my god. T'imagines même pour ton ego quand t'es allongé sur un quai comme ça et Putain, t'es sur un quai. T'es en PLS. Et en plus de ça, gros, tu viens de faire exploser. Quel malheur, gros. T'as vraiment une Lucas, il claque là. Ouais, il est mort. Et Tomé, est-ce qu'il va trade ou tomber? Oh, il prend une belle balle. Aïe, dommage. Nice, il est en bon contrôle, Tenux là. Ça y est, c'est leur. Il faut les bonnes games aujourd'hui, regarde, let's go, ils vont chercher Tomé. Ah mais putain, j'ai pas tilté que... Attends, ok, Tenux a pris le top du coup. Oui, c'est ton Tenux, là, dans la tour, il snipe, il a pris la technique d'Allemande et tout, qui savent très bien qu'ils sont... Eux, ils ont fait leur devoir, ils savent qu'ils sont pas là, du coup... Allez là, hop, ils prennent la place. Et eux, ils ont une bonne game. Mais j'espère qu'ils vont faire une bonne game, gros, ouais, qu'ils vont dérouler... Moi aussi. Oki, Prodigy qui respawn sur Kams. Oh my god. T'as le pauvre Limax, il s'est fait sodomiser, gros. Très bon corner là. C'est dur des fois, juste un joueur qui freeze, qui ne bouge pas et qui attend, gros. C'est ça aussi Call of, hein. La temporisation. Exactement. Quoi, Raoul qui est encerclé. Oh, il y a une bonne pression. Il prend un gros C4. Raoul! Out. Ouais, c'est way out. C'est une équipe qui a besoin de ses points aussi. Ah, mais là pas de multiplicateur, gros. Hein. Wipe top 13 sur 14. Très, très dur. Hein. Très mauvais. Ouh, Espagnol commence à se faire exploser là. Oh, les nonnes qui wipe, gros. Ah, on l'a même pas vu venir, on l'a même pas vu d'où. Non, on a pas vu, gros. Je m'y attendais pas, gros. J'ai vu Team Violet wipe. Parce que là, c'est un wipe qui sanctionne. Hein. Ben là, c'est un retour à la maison. Bah ben oui, hein, je pense. Parce que là, ils vont se refaire dépasser par tous les autres qui n'ont pas joué les deux premières. Ils vont être
16-17, hein, je pense. Putain, c'est dur, gros. Oh. Mais pourquoi est-ce que, FIFA y est pas allé, gros? Je sais pas. Ils pouvaient pas, je crois. Ils pouvaient pas. Oh, gros, regarde ça. Ouais. Oh là, ça s'explose. Oh là là, c'est le genre de fight un peu trop engagé. Et ouais. Oh. Et ouais, non. Oh. Oh my god. J'aurais pu le ça joue à rien. Oh, ça joue tellement à rien. Là, oh, gros, ils avaient moyen de prendre 2 kills de plus. Je suis d'accord. T'es, hein. Comment ça s'est joué à un détail, gros? Ça s'est joué à une balle. Ouais. Et là, Tenux, faut serrer les fesses. Hein. Ok, Zakhar, les Polonais. Ça vient de fermer en plus, non? C'est ça? Déjà? Oh my god. Non, je crois qu'il y a encore un peu de replay. Hein. Ah non, t'as raison. Waouh. Wow. J'ai entendu la sonnette, gros. Ah oui, oui. Ah, c'est ça, putain, l'alarme, mais oui. Ah ouais, bah alors là, c'est compliqué, là. Ah, là, gros, en fait, ce fight était trop important. Limite, moi, j'aurais sauté à sa place, tu vois, pour aller tenter le truc. Hein. Bah, peut-être. Hein. En fait, quitte à perdre, tu vois, essayer de... Parce que là, le regain, il va pas être marrant. Bah, je crois qu'ils sont morts avant la fin de la sonnette, donc ils vont pouvoir revenir peut-être. Mais par contre, au niveau des armes, mais des où trucs, ils reviennent, tu vois, genre. Impossible. Scoring that placement multiplier, that is what you want to be looking at. And when it comes to kind of those total kills there, ok, on a Timux qui vient de tomber après avoir fait un knock. Oula, Sukex, il but des RP en arrière, qu'est-ce qu'il vient nous faire le Sukex? Je crois qu'il a perdu pied. Le ouais, coup, ouais. Je crois qu'il s'est laissé emporter par le. Il y a eu des émotions, gros, il est pas. Il est parti en arrière avec le truc. Comme s'il maîtrisait pas de son truc. Aïe. Je sens que ça va être compliqué la rotation de Liam. Ouais. Ouais. Et l'équipe qui est très bien là, c'est Abewiz et tout, hein. Ils sont bien, une belle portion. Ils ont pas la zone par contre, mais ils vont pouvoir rentrer tranquillement. Bon, ça va être bon ça. Attends, mais ils vont pas survive quand même comme ça, gros. Oh. Ah, eux là, ça va être dur là. Non, mais... Mec, non mais en fait, ils n'arrivent pas à rota dans le bâtiment depuis tout à l'heure, gros. Ouais. Genre, ils prennent, c'est incroyable. Non mais frérot, ils prennent une pression dans ce bâtiment. Une pression monstre, par prodigie. Non mais ils ont juste à circuler dans le bâtiment, gros. On va passer par le gaz ou quoi? Je jure. Incroyable. Ils ont overextend presque. Là, j'ai avec le 5 a presque un peu trop overextend. Parce que. Tu vois, lui, c'est pas par exemple, il a pas le même, shoot que les autres. Hein. Mmh. Il a un shoot un peu fatigué, gros. Là. La scuff, elle est tombée par terre un peu pendant le voyage. Hein. dans la valise, elle a été remuée un petit peu. Ah ouais. Ça a trop remué là. Mais Scuff fait des manettes de qualité hein, et très solide. Ouais, avec le code gros Maloc peut-être. Exactement. Encore plus. Exactement. Ah, il a rotage, c'est un peu dur là, mais il faut juste moquer et jouer le bottom là. Hein, j'ai l'impression qu'ils veulent pas trop s'insérer les gens quoi. Ouais, ils en oublient presque le côté Battle Royale. Là, il faut pas se poser de questions. Tu t'insères et puis bah ça, tu vois. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils jouent la bordure. C'est bien, ils sont on a Smith qui est dans une opération de destruction, gros. Smith, je pense qu'ils ont 20 kills, hein, je te jure, ils ont frappé toute la gamer, je les ai vus tout le temps. Surtout là, il a une frappe à DSP, gros, elle peut faire tellement mal. Ouais. All timing. Aïe, oh my god. Aïe. Ah bon, mais. Et Mojo, hein, qui est toujours en vie. Ah, les Espagnols, nice. Team Wipe, Prodigy. Team Wipe, Prodigy, Wipe aussi. Ouais. Qui n'ont pas le top 5. Et les Max ils sont bien. Hein. Après, attends, et c'est. Oh mec, oh la puante, comment elle pue la merde, gros. Team Wipe, ouf. Oh, le wipe là de Sepa et Limax là, oh là là. Oui. Et là, les Espagnols qui ont bien pris la zone. Tenux, tu vois, et dans sa tour, qui arrive à survivre. Ça y est, il est mort. Mais il a gratté le top 5. Et là, on a un 3v3v3. 3 full team. 3 full team. 14, c'est les Brésiliens, 14. Ah non, c'est Mojo. Non, exact. Okay. Parce que je croyais qu'ils avaient un Mojo, ce serait bien pour eux. Ça serait bien pour eux. Ça serait très bien pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire là, gros? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation là? Si t'es qui? Si t'es Mojo là? Ouais. Ah, si t'es Mojo, ça dépend si t'as des PDS ou pas. Si t'en as pas, il faut. Ils ont une frappe, gros. Penser, mais ça sent pas bon. Voilà, ils ont réussi à prendre du bon espace, mais sauf qu'ils vont prendre l'aggro de tout le monde. Ouh, ça tire, ça passe dans le dos. Ouais. Eh oui. Et ouais. Là, c'est les Australiens qui vont être grands gagnants de ça. Hein. Ouais, les Australiens vont ressortir. Il faut y aller, il faut arrêter le PDS là, il faut y aller. Hein.
Le move dans le dos était insane. Non, non, non. Voilà, go. Un peu tard, ils les ont laissé se relever, etc. Mais regarde. Oh my god. Oh my god. C'est pas possible. Non. 1v1. Oh my god. Il va le chier. Oh my god. Il a perdu, c'est Mojo qui gagne. Au clavier souris, il l'a chié. Non, les claviers, tu m'as dit qu'il y avait claviers. Ouais, mais Mojo, c'est un frère clavier souris. Il a chié. Mais non, mais attends, mais. Oh, l'erreur de ouf! Ils les ont laissés se relever, gros! Ah ouais, ouais. Trop passif, sanction directe! Oh my god! La moins 2 clavier! La moins 2 au clavier! On peut que apprécier! Et là, c'est pas la France, c'est l'Arabie Saoudite, messieurs, dames! La compétition, le WC! Et on est reparti, les mecs! Ouais. Attends, oh, Liam! Il spawnait pas là, lui? Ah, si, 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 il spawnait là. Oh. Attends, c'est Mojo qui vient de se faire wipe là? Non, c'est Kams qui vient de se faire wipe, frérot! Aïe, 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 début compliqué pour. Ah non, mais c'est. Espagnol, dommage. À la bon, Kams, après, la qualif est assurée pour aujourd'hui. Oh! Donc. Lennon qui a ses armes. Ça y est, enfin. Que... Ils vont pouvoir faire une game normale pour la première fois. Zongi. Oh là là. Okay. Oh là là là. Oh là là. Le monde faire de la merde là. Oh là là. Oh, bûche, hein? Il l'a chié. Oh, j'ai cru l'aller l'énerver trop. Oh mon dieu. Et Zongi qui récupère le colis. Zongi qui récupère le colis, comme tu dis. C'est très très chaud, les gars. Il a enlevé 3 believe, il a pas lâché sa pose. Hein. Zongi, tu yukis. Donc... Oh ouais, attends, mais là, tu sais qu'ils peuvent se faire wipe. Hein. Zongi. Je sais pas pourquoi il change de cam. Mais... J'aurais trop aimé quand tu dois. J'aimerais tellement suivre Jukais beaucoup plus, tu vois. Genre, c'est un des fights les plus drôles de début de game, genre. Vraiment. Mais ouais, parce que c'est des malades, gros. C'est... Vraiment. Et ouais, eux se gavent hein, sur leur côté de map. C'est... Par contre, le paquebot, vraiment, c'est une zone, c'est the place to be. Hein. Je te jure. Tu te mets bien, j'aurais jamais cru de ma vie. Hein. Le nombre de gunfights qui étaient pris sur ce paquebot, c'est un truc de malade. Attends, il y a un mec dans l'eau là à côté. Il y a un mec dans l'eau qui c'est Selfraise, ouais. Numéro 8 qui remonte. Regarde-le en train de nager. Il y a Rocket qui tombe au bout. Ah, mauvaise lecture pour l'équipe de Prodigy qui se casse au moment où tous les mecs réveillent Jayen. Là, il y a un gros fight Cloud9 contre. Et on a Dongi qui est en train de se faire jouer par Jayce. Ouais, par Cloud9. Cloud9 qui a besoin de bonne game, hein. On les voit toujours trop poussifs. Aïe, 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 salut Chase. Oh oui, oh my god, il revient à travers la smoke. Oh, ça re-rochal dans la smoke. Oh, c'est osé. Ouais, et c'est... regarde où il est, Bredman. Ça y est, il s'approprie la map. Il est dans le château d'eau. Il arrive, Bredman. Ouais. Bredman. Il faut en même temps, faut pas hésiter. Hein, on est bientôt sur la fin là, donc pas hésiter à s'approprier. Do you really want to try to force them out? Because Dongi and Believe have been the dynamic duo for this SGP squad. Nice, Jayce. Allez, le trade, Jayce. Allez, c'est parti, Dongi. Non. Mais c'est bon, c'est bon. Il me fait rire, ça. Tu sais, cette technique de faire genre de s'échapper et de revenir en slide. Comme... Je te jure. C'est vraiment le classique. La classique Richal. Tu peux carrément juste garder ton viseur prêt, le mec est sûr, il revient. Bagel meurt, mais il a bien joué. Hein. Ouais. Bien tenu, mais par contre, c'est un peu la merde pour eux. Oula, 14. 14 qui bombarde sur Stukex. Oula. Il leur a mis une pression, dommage de changer. Il leur a mis une grosse pression, gros. It's vision. So, hello. You know, a team from team or group C, pardon me, that really has not necessarily had the greatest day. They did have one win yesterday, but their first two drops. Et les équipes saoudiennes se combattent énormément. Ouais. Ils sont souvent sur le même dos. Même côté de. je dirais que Zix et HM ont quand même plus d'avantages à leur positionnement là, ouais. avec le top maison. Mais il est facilement reprenable quand même en face, donc à voir. Ouais. Tu peux te faire tirer de toute la map aussi. Hein. Il est où Jukais là? Ouais, non mais il est là. Top prison, il se promène tout seul. C'est lunaire.
Tomé qui tombe. Donc là, si tu me dis que Juki, c'est celui qui doit aller réanimer. Risqué. Ouais, voilà, tu vois, c'est beaucoup, c'est très exposé sur le tour 1 ici. Juki, est-ce qu'il vient de crever? There's the back and forth we were talking about. Aizen, Omit, striking each other, destroy in the mix as well. Ouais. Right around the corner, slowly but surely working their way through. We're gonna take a quick look back at Clown. Ah oui, on replay, d'accord. So far, so good. Ouais, ouais, Jace, c'est bien. Four and Jace, we've been telling you shit that this guy's a slayer and he has not proved it. Ooh. But this game looking il a bien frag, les gars. Ah, Briman qui a croqué Dongi, tiens. Bon là, on est sur la team. On a Briman qui a pris sa pause, ouais. mais il est quand même à un étage qui est pas, non, pas exceptionnel, non, non. Tu vois. Il peut se faire tirer un peu partout, non, surtout du top. Et eux, les trois dans la cage. Oh oui. Ouais, mais non, c'est un mec. C'est un mec au sol, gros. Ouais. Il a cru entendre quelqu'un qui lui sonnait dessus. Il a entendu Enemy Landing. Il a c'était sur son château d'eau. Mais à un moment, il va falloir se réactiver parce que. Ok. Se réactiver. Mais non, mais le nombre de. Ah, Joe qui est dans la merde, mais Joe qui est tout seul, gros. Mais il reste plus que Bradman. Il reste plus que Bradman dans son château. Ouais, il connaît son spot, tu vois. Il sait là où il est pas touchable, etc. C'est vrai, ouais. Oula, Razi, oh, mec. Il veut voir qu'un angle. Belle balle. Très, très belle balle. Mais il lui a dit non. Tranquille, laisse-moi. Très, très belle balle. Je te ferai pas chier, je te ferai pas chier. Je te mets un petit headshot quand même, histoire de t'apprendre, mais. Putain, belle balle, gros. Ouais, très belle balle. Et là, l'Imax qui est tout seul, qui se fait chase par Prodigy. Ouais, mais ils vont pas pouvoir le suivre. Non. Bagel wipe, si, si. Tu kex bagel. Ah, il commence à se travailler. Ouais, bon trade. Et là, on a les mecs en l'air, là, du coup. Ce sera rien. Prodigy qui veut pas les laisser respirer. En même temps, ce mec, ils sont au bateau, là. Hein. C'est free, hein, genre. Et ouais. C'est free, il a raison d'agresser. Parce qu'il a le deuxième. Il s'est focus d'abord sur finir le mec. Oh, oh my god! Il leur a mis le moins 2 de nulle part. Il leur a mis le moins 2 avec une arme de base, gros. Mais oui. Oh là là. Et là, il vient de renverser toute la tendance du fight parce que les autres vont devoir attendre en l'air. Il y a des armes à récupérer sur le loup. En même temps, l'autre il troll, gros. Il saute comme un fou pour confirmer son kill. Genre, alors que le mec il a vu revenir du ciel. Ah, mais ça y est, wipe. Ah, mais oui, wipe sur ça, sur une erreur d'inattention, rien. Ouais. Dommage, tu vois, il faut jamais relâcher. C'est... Ah, tu relâches un coup en mode tu sautes sur les gens comme des singes, c'est fini, gros. Exactement. C'est que, ouais. Pas payé. T'as Joe qui est caché dans les chiottes avec un kill, gros. Ouais. Ned qui va toucher. Non. Non, il était caché derrière la porte. Ok. Oui. Ils sont durs à jouer dans les smokes, hein, les trois là. Ouais, ouais. De toute façon, à partir du moment où ça joue ensemble et ça tire à plusieurs dans la zone. Rien à faire. Il est neune, encore en vie. En fait, Aidan, Smith et Knight, vraiment, je joue trop trop bien ensemble. Leur teamplay est très intéressant. Ah, t'entends ? Ça, la résurgence va fermer, les gars. Ah oui, 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 t'as raison. Et on a Jukaze et Tomé qui jouent ensemble. Ouais. Et ils sont trois en vision, donc c'est bon, ils ont le contrôle du. Il y a que eux, prison d'ailleurs. Regarde, prison est complètement clear. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Il y a Timux qui est sur le top, en bas ça charbonne pas, ils ont la flemme. Ouais, ils ont plus de flemme, les mecs veulent pas gagner. Allez, donc ils sont bien placés par contre, parce qu'ils ont un gros pool. Ça va finir sûrement sur eux. Hein. Ok, Cloud9, j'aime bien. Ils veulent Cloud9, je suis content qu'ils soient en vie à ce stade du jeu, j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose. Faudrait faire un top 1, hein. C'est tant attendu. Ils en sont très loin là. Bon contrôle de bordure, t'as vu? Ouais. Totalement de. Ouais. Bah, quitte à être sur une bordure, tu vois, genre. Ah, on a Tomei qui vient de crever. Ouais, c'est pas contre l'équipe de Tenux, c'est des équipes qui ont besoin de se qualifier, donc là c'est vraiment meurtrier comme fait. Ah, Jukaze qui fait tomber Tech. Ouais. Mais pourquoi il met pas POV au lieu de les. Il le confirme. Je sais pas, c'est un crackhead, gros, le mec de la régie. Bah, là, eux ils sont bien, ils vont attendre la zone pour la fin. Mais ouais, c'est.
Ça par contre c'est joli, tu vois, une petite caméra vue libre et tout. Ça c'est bon, ça. Ça c'est artistique, gros. Je suis d'accord. Joker ici, il court tout seul, gros. Ouais, particulier, Sally. Oui, il est tout seul là. Les nuns, mec, je te jure, gros, qu'ils se battent complètement séparés, les mecs. Ils ont aucun teamplay, gros. C'est impressionnant. Mais Joker, il a quand même réussi à croquer Jowoo, gros. Il a croqué Jowoo, il est remonté. Il est remonté là-haut avec Tomé. Tomé, ouais. Mais c'est un malade, par contre, hein. C'est tellement brouillon que ça passe, mais tu sais pas c'est comment. Ça, mais il est fou, gros. Tu vois, il est fou. Il a 4 kills, Duke, mais il en mérite plus, hein, parce que il déploie des efforts, gros. Il a 4 kills, il en a donné 4 aussi. Mais ouais. La vente, je sais pas comment ça va se passer. Hein. Ça manque de smoke, hein. Tu vois bien la différence avec Falcon quand il gagne, c'est parce que Falcon, mec, oui, il est stacké du guys. Mais il a du dive, mais bizarre, ouais. Là, il a une bonne ligne, hein. Il va avoir une très bonne ligne. Putain, mais c'est un assassin, ce mec. C'est Assassin's Creed, genre. Il veut tout. Ouais, il a pas la zone, il veut juste encore aller chercher du kill en bordure. Genre. Regarde, regarde. Il est fou. L'autre, il le reste derrière. Ouh, c'est risqué. Allez, Tomé, allez. Ah, il va le chercher, hein. Oh my god. Ah, il a chié. Oh my god. Dis-moi, il pour Tomé. Tomé est fini. Ils ont le top 5. Merde. Ouais, ils ont le top 5 quand même. Putain, il y allait le Xyz. Il a pas trop envie. Et Ilan encore en vie. Trop en vie. Ouais, mais il y a donc. Oh là, ça va être un sacré fight. Oh là. Ok, termine diff. Termine diff. Il a paniqué là. Il tire ses teammates. Oh, comment il perd ça? Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Il l'a accroché sur dit, Smith. Voilà, on aurait dit que c'était gagné. Et ouais, non, en fait. Pas compris. Et il y a un shot portatif côté Aidan, donc ça va pouvoir réanimer. Est-ce qu'il arrive en zone? Ok, il est un petit peu en zone derrière. Ça sent bon pour la team Aidan. Ah, la team Aidan là, il va. Jamais il perd ça, gros. Ouais, team je pense pas. Ouh, ce sera rien, il faut en play. Non, son cut. Pas naïf, le Saoudien. Qui va être wipe, c'est 1v2, 1v3, 1v2, il est encore dans le gaz, gros. C'est plus possible, ça va être team Aidan encore. Qui... J'ai l'impression qu'ils ont, c'est soit de la win, soit une mauvaise game. Arrête, combien ont-ils de kills? Déjà GG Aidan. On voit combien? 18, non? Aidan, il adore ça. Il adore gagner en LAN, gros. Mais c'est normal. Et il avait 18, je crois. Donc là, c'est bon, hein. Il joue la qualif là-dessus. Ça passe aujourd'hui, je pense. Allez, c'est parti! Allez. Hop. Et on a Vita qui va être plus tranquille. Twisted, ils sont bien. Twisted, ils sont tranquilles, les gars. Ah, Twisted, c'est chill. Attends, et t'as pas l'équipe Skullface? Mais ils sont pas là. Tinux, ils sont loin ou pas du classement? Tinux, ils sont, c'est eux les qui ferment la marche. Ils sont 14e. Oh là, moins 2. Oh merde. Aïe aïe aïe, c'est pas bon ça. Oh là là. En fait, ça peut aller tellement vite au début comme ça. Je jure. Attends, mais il est tout seul du coup. Il est tout seul contre le Sutter, gros. Il est tout seul. L'autre, magnifique. C'est tout seul dans l'eau. Qu'il est donc ouais, Omid ferme la marche, donc oh, Cheaton. Skullface qui a très très vite reculé, gros. Hein. Oui. Riemann qui est en train de se faire farmer par Kingage. C'est pas bon, ça. Husker, Jackal, let's go, it's time. Là, il va falloir perf. Ah oui, là, c'est perf XXL parce que le retard est assez élevé. Oh my god! Mojo, il est à la manette, c'est pas possible, gros. C'est le premier de son équipe devant, regarde. Il va encore à Cordia. Là, Jowoo sur le toit, par contre, est-ce qu'il va passer? Ouais, il a envie de se qualifier, gros. Hein. Je te jure, mais je crois qu'il se mais c'est un gros skill, gros. Hein. Bah, il m'a impressionné.
Jovo qui surprend. Et Mojo qui... Ouais, oh. Nice, solide, solide. Solide, solide, il faut aller chercher solide. Ils l'ont pas confirmé, gros. Ouais, il faut aller chercher. Ils l'ont pas confirmé, gros. Non, mais c'est pas possible. Allez, il troll, gros. C'est bon. Non, mais... non, mais gros, non, mais... Oh my god. Imagine. Non, mais il a failli lui mettre. Je te jure. Everyman qui est réallongé à, sa, à son spot. Oh, allez au mythe. Oh my god, oh my god. Oh, Shtek qui a fait un travail, gros. Oh, comment il s'est retourné en l'air. Ça, oh, c'était, beau. C'était très très beau, et surtout le tout en, en tombant de la falaise, le rebond, machin, mes couilles. Très stylé, gros. Très très stylé. Le retour des Brésiliens. Attends, c'est classe ça? C'est classe, gros. Ouais, ouais. Il joue avec le truc électrique, gros. Ah, ah oui, bah peut-être, ouais. À moins qu'il ait juste acheté les armes sans atout et que. Du coup, il ait du truc du sol, je sais pas. Ah. Mais écoute, ça peut être une option. La chercher électrique, faut être un peu fou dans sa tête, mais. Ça doit être gênant, gros. Hein. Tu sais, tu passes des charges électriques, tu rushes pas dedans. Hein. C'est moins gênant que les puantes, tout en étant bien gênant. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait là ouais, ouais, dis-moi. L'autre jour, j'ai fait. Je l'ai joué Tasman. En gros, j'ai joué comme un fils de pute jusqu'au à me retrouver en 1v1 final. C'est des coups de taser avec les bâtons électriques là le... Mais ouais, mais gros, j'ai foutu tout l'inventaire en charge électrique, gros. Et j'ai croisé le dernier mec, j'en ai accroché au moins 4-5 dessus, gros. Et ça, ça. Tue, et ça tue ou pas ou non, non, ça fait tue pas, dégâts, juste ça vide le chargeur et ça t'électrocute, gros. Et après, je suis allé contre lui. Une fois que je lui ai envoyé les 10 dessus, je l'ai tabassé au bouclier, gros. Wow. Ouais, mec, il a dû poser la manette au bout de la 4ème, 5ème charge. Non, il s'est débattu, il hurlait, gros. Ah ouais. Oh, ouais. Je voulais pas lâcher. Ah là, on a perdu un joueur, gros, ce jour-là sur Warzone. Il a plus remis. Oh, vite! Je te branle en prison! J'espère que ça va, gros. Amazing Vince, gros. Amazing Vince. Le pilote le plus connu de Twitch. Ouais, le GOAT. T'as déjà joué avec lui? J'ai déjà fait des sessions avec lui, ouais. Ouais. Sympathique. Oula. J'ai l'impression. Sio, ça prend. Ouais. Par contre, quand tu connais les cachettes dans l'eau sous les derrière les cailloux, ouais. c'est pas bon. C'est que. Ouais. C'est sûr que t'as la team Lennon, tout ça, ils peuvent te faire une cartographie de. Des fonds marins, ils l'ont vu beaucoup. Oh my god, non mais regarde. Non mais ça craint, gros. Non, plus que sympathique, Vince. C'est... Non mais gros, il saute dans l'eau hors zone, gros, c'est un autre délire. Oh les pauvres. Les Vitality, les gars là, qui sont ouais, un peu acculés, ouais. À la dérive. Dérive, vraiment. C'est et qui apporte pas mal de kills à la team AB Wiz, du coup. Ouais, ouais, toujours, hein. De toute façon, eux, ils contrôlent les mers, eux. C'est Poséidon, les mecs. Poséidon, gros. Nombre de free kills récupérés sur le bateau, sur le... Ah, Shifty qui tombe sur Zakar. Mm-hmm. Sa petite tête mignonne ne suffira pas. Wars qui récupère un Patsuka sauvage. Patsuka sauvage. Oula. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, il a c'est le KV Broadside, lui. Gros. Mais c'est fait partie des gens, comme tu dis, lui, c'est fou. Ah, il est bizarre. Il est fou. Ah ouais. Tu vois, ça c'est problématique. Le double tchal comme double ça. Tchal. C'est... Ah, bah y'a pas de secret. Et de toute façon, c'est comme ça que t'es fort. Hein. Pour ça, ouais, comment était fort, je pense que tu traques NQX. Parce que ils auraient bouffé triple tchal. Anxiom, ça sent pas bon là. Ah ouais? Il leur faut des bonnes games. Hein. Il a pris un kill, mais il est mort derrière. Genre pour 3 morts là. Non, c'est à lui. C'est à lui. Ouais. On n'a pas vu, tu vois, avec le mode spec. Je me suis quand il s'est allongé dessus, je me suis dit, oh.
culotté. Rocket qui venge son teammate. Nice. Ouais, Rocket qui chie sur Shifty. À chier. Et Hisoka qui va mourir. À chier aussi. Let's go. À chier. Attends, ça arrive. Ah non, il est en l'air, il doit être. Non, il est en l'air, gros. Ils sont immortels, ces mecs-là. Impossible, ouais, que ça freine du risque comme ça. Aïe, aïe, mets-lui un bim. Oh, ils veulent le tuer, gros. Falcon sur Falcon, hein. Là, c'est Falcon contre Falcon. Ouais. Falcon, vous n'avez pas recruté alors qu'on est des locaux, vous allez le payer. Ouais. Ça c'est l'ego du dromadaire, comme on appelle ça. Et Anxium qui se fait farmer par la team Prodigy, Bitune. Ouais, toujours, gros. Genre, à un moment donné, ils vont réussir à se remettre dedans, mais... Alors que tu te rends compte, il manque l'équipe de Lennon et tout sur le côté. Et c'est déjà... Ah, c'est déjà ghetto, gros. Déjà ghetto, quoi. Ouais. Zix only needing about 10 and 2. Omit needing about 26 and 2. Oh my god, non mais il y avait bien le mec. Non mais gros, mais t'imagines? Il s'est fait sortir de son match. Non mais gros, tu imagines qu'il a... Non mais, wesh. Non mais lui, il est fou. Non mais lui, il a... T'inux, gros. Il reste vite dans l'eau. Allez, faut rien lâcher, hein, parce que là, tous les points peuvent compter. Ils sont vraiment à la limite de la qualif. Donc, allez, T-Nux. Allez, les gars. C'est pas Tsuka, pareil. Ils sont en train de ça se fait farmer, Pichun. Ouais. As we head back over towards Zix, still trying to deal with a little bit of rotation. Problème de tyrolienne. Oula, non, ouais, mais c'est... vas-y, suis-le. Non, mais qu'est-ce qu'il prend, gros? Problème de tyrolienne, c'est pas, gros. C'est des singes, frère. Non, mais je te jure, les mecs, c'est... Qu'est-ce que... C'est les... Session accrobroche sur Warzone. Aujourd'hui, on est avec Francis qui va nous montrer comment il s'en sort. Comment bien mettre le harnais. Ah non, il a fait respawn quand même, mais... Ouf. La balle de snipe, métatique. Il veut pas se tuer, hein. Il pense que ouais, il peut se faire res, effectivement, il a res. Ouais, enfin, il a res. Fais pas chier, genre, il y a encore respawn. What the fuck? What the fuck? Attends, mais... Attends, mais là, il a tiré dessus, gros, il y avait... Bizarre. T'as clippé ça, chat? Oh my god, mais gros, le Dark il envoie là. C'est le Dark, il a tout activé. Oh my god. Oh non. Ah gros, mec, il a tout mis là. Ah, mais t'as vu où il a tiré, gros? Je te jure, c'était... Non mais il a suivi dans le souterrain en dessous. Ouais, ouais. A envoyé un admin derrière ce mec, gros. Ouais. Aïe. Non, ça s'explique, mais ça peut être déjà un très bon timing, mais bon, c'est... Voilà. Je pense que c'est sûrement sound. Il l'a sound en dessous de lui, il pensait qu'il était vraiment en dessous de lui, et ben il était, mais en fait, un étage en dessous. Ça vous montre un peu la qualité de spatialisation du son qu'ils ont, ces connards. Exactement. Il aurait pu aussi être live ping, c'est vrai, parce que nous on les voit pas bien sur ce truc. Mais ça se trouve, il a voyé dans le feu de l'action, il a vu le live mark, il a pas capté si c'était en dessous. T'as les tiros aujourd'hui. Okay. Oula, Tenux va prendre la bim, hein, là. J'aime pas du tout ce viseur sur la Holger, je sais pas comment ils peuvent me le jouer. Anxium, Stewo et tout qui continuent de se faire farmer, gros. Ouais. Ah, Patsuka qui en prend un. Hein. Ah non, Vitality out. Vitality out. Waouh. Vitality out, 13ème sur 14. Ouais. Après, ils ont pas réussi à rentrer dans la game, mais là, c'est chaud, hein. Ouais, tout va là, jouer sur la last, je pense. Hein. Là, c'est très très chaud, là, ce qu'ils viennent de faire, Vitality. Hein. Oh, le JTEC, il cohabite avec le Rocket. Il veut pas le pic. Oh là là. Rocket qui prend un bim. Ils placent comme des possédés, les mecs. JTEC, est-ce qu'il va réussir à sneak? Il a été sound là, mais sauf qu'il sait pas où. Ouais, super. Là, j'ai sound. JTEC au mid, hein. Par contre, il se voit aussi. C'est aussi une équipe qui. Ah, ils sont caillés tous encore là. Ils vont mettre la moins 2. Oh, oh là là. Ah, t'as les Falcons, comment est-ce qu'ils sont là? Je pense qu'ils sont que là pour les victoires, frérot. King AGY. Par Mojo encore, hein, putain, Mojo aussi. C'est du solide. Eh ouais, ça applaudit les Falcons.
Bah là, Falcon, ils sont très très, ils sont très très bien placés pour encore faire autre chose. Hein. Ah, quoique, il y a Skullface, Almond. Oui, ils sont que deux, ils sont que deux. Ils sont que deux, par contre. Mais moi, ce que je suis en train de voir, c'est la team Castillo, tout ça, là. Qui sont des, mais un peu mes poulains que j'avais dit, mais qui étaient avant-dernier. Ouais. Mais mec, je crois que là, ils ont un banger. Donc, il faut qu'il faut pas se faire wise maintenant. Aïe, bah tu vois. Mais pourquoi tu dis des trucs comme ça, gros? Non, mais gros, c'est. Non, mais t'es horrible comme mec. Genre, t'es une vieille sorcière, gros. Le cœur, c'est affreux. Mais je sais pas que tu les détestais à ce point, ces pauvres gars. Les pauvres mecs, dommage, j'avais une bonne game. C'est fou d'haïr à ce point des gens. Tu te rends compte de la malédiction? Et vas-y, à toi maintenant de maudire une équipe. Shifty Biffle, Isoka. Impossible, ça marche pas là. C'est... La malédiction, il contre. La malédiction de la patte de poulet là, elle marche pas. Ils contre tout, ils ont les marabouts avec eux. Regarde, Avewiz, Prodigy, Aoki qui font le même move dans le gaz. Oh les tarés. Regarde, ça fait des 3-6 plongeons. Ouais, le 14 qui est allé et qui va. Non. Ça tweak. Ils sont bien faits de prendre le bas pour remonter. Ouais, incroyable. On se fait oublier 2 secondes et après on remonte. Ça c'est bon. Incroyable. La position est folle. Ouais. Là, ils vont pouvoir récupérer tout le monde. Hein. Il va y avoir un gros 3v3, je pense, Falcon contre eux à la fin. Hein. Biffle prend un knock. Oiki qui tombe. K-Trade. Oh non, il va venir Griff. Faut l'aider. Aïe. Là c'est la fin gros. C'est là où tu vois, il y a que Falcon qui arrive à rester à 3, regarde hein, c'est fou, c'est là où tu vois que... Ah, non regarde, Biffle il vient de se prendre sa propre frappe hein. Ok. Mais tu vois, la malédiction. Mais non mais toi par contre t'es ouais. Terrible hein. Ouais, genre tu parles, il meurt hein. Ouais. Bon bah là il y a 1v2 hein, parce qu'il y en a un qui est knock, hein. Celui à gauche est knock, donc c'est 1v2. Et ils devraient tranquillement trouver encore la victoire hein. Ils vont gagner toute leur game aujourd'hui, ça y est c'est... Ils ont trouvé la recette hein. Oh là là. Et là je pense que c'est voilà, même malgré ma malédiction, il y a impossible de perdre cette game. Et là ouais, il est derrière lui gros. Impossible. Ah ouais. Oh le pauvre. Wow. Oh le pauvre. Back to back. Attends mais ils sont sur un triple back to back hein. Et ils ont joué 3 games, ils ont gagné 3 games. Sachant que je crois qu'ils ont gagné leur last game de hier aussi, mais bon. Non, c'est pas possible gros. Ouais. C'est pas possible de dominer à ce point, c'est horrible. Ouais, mais c'est ce qui se passe aussi côté Ourzikstan. Hein. En fait, leur jeu est tellement épuré, pensé. Plus il y a aussi le phénomène que tout le monde a peur d'eux, donc ils ont plus de place, un peu plus tranquille. Ouais, mais leur jeu est épuré. Y a pas d'erreur. Ils ont forcé le respect, tu vois, on va dire là-dedans. Qu'est-ce que tu fais si t'es une bonne équipe? Est-ce que t'essaies pas d'aller grief 2-3 gars, tu vois, genre... Tous les mecs, Falcon, genre moi je suis Falcon, j'essaie de trouver les mecs qui ont mal parlé, gros. Bah ouais, exactement. Au mythe qui prennent pas le plus facile des fights d'entrée, ils se jouent allemand et tout, mais ça passe. Super, bon kill. Attends. Oh, allez. Noobs. Nice, ça fait des bons kills ça. Oh, il allait croquer Noobs. Attends, mais mec, tu sais que je suis pressé de voir qui c'est qui va être qualifié et qui c'est qui va pas l'être. Hein, ah, là, c'est tout va jouer maintenant. J'aimerais bien que Dark Castillo et tout ils reviennent des enfers pour. Ouais, mais j'ai pas pu voir combien ils étaient là, c'est allé trop vite sur le classement. Mec, les classements avancent pas assez. Ouais. Très bon start de la team Zakar aussi, les Polonais. Oh là là, attends, mais Elo par contre, il est en train de mettre le feu à... Allez, bloque le feu, faut l'isoler là. Oh my god! Super! Non, mais il a explosé, gros, le skull. Oui. Très très bon ça. Et le lame en fuego. Et le mojo. Joli travail, et le lame. Oula. Là, ils sont morts. Ils sont dans la pire position de Jowu et tout ça. Ah, ouais, non. Vitality qui a fait très mal à l'équipe de Cassio. Merci Dexir et Devast. Ouf. Joli tracking. Hein. Oui. Il y a encore de l'aim assist dans les smokes ou pas trop? Non, il y a peu d'aim assist. Oh, ça va. C'est pas facile de tirer dedans, mais. D'accord. Un clavier aurait l'avantage, hein, clairement. Nous, on a quand même la sensi du coup. Tu vois, c'est comme si on changeait ta sensi mid-fight. Quoi, donc, ouais, bien sûr, c'est horrible. Ouais. C'est ça que tu vois des pros parfois, t'as l'impression. Tu les reconnais pas quoi dans les smokes. Tu dis, wesh. Oh, qu'est-ce qui se passe, mon ref? Allez, t'as
perdu une DS4 quoi. Et à l'inverse, t'as des mecs comme Shifty dans la smoke, t'es là, ouais, ils sont trop à l'aise. Hein. Are Onyx Ravens nor new icons giving up by playing a different rotation. Riemann, je comprends pas sa position. Elle est vraiment pourrie. Non, mais là, c'est malheureusement ils n'auront pas su cerner cet exercice. Hein, Cloud9. C'est dommage. Autant pour Riemann, Joe Wu, ça que je trouve des putains de bons gars que pour la structure qui est magnifique. Hein. C'est clair. Alors, ouais. Okay. Tu veux des petits trucs croustillants, tu veux un peu des insights ou quoi? Vas-y. C'était pas l'équipe favorite de Cloud9. Hein. Cloud9 était sur un autre dossier. Non. Qui n'a pas pu, faute d'invitation. C'était qui? C'était l'équipe beaucoup plus apte à faire ce genre d'exercice. C'était Rezid, Mayapo, Prospect. Oh, les fameux, gros. Ah bah oui, mais forcément. Là, trois gunfighters. Bah, après. Briman, Joe et tout, ça reste, c'est plus mon profil à moi, tu vois, genre c'est des streamers plus que des joueurs pro. Okay, Vita a le top prison. Oh là là, Anxiom, il y va. Anxiom, il a fait un. Il en a rien à branler. Oh. Non, tu vois, c'est très très bon. Et là, typiquement, tu joues le deuxième, allez. Mais typiquement, c'est ce qu'il aurait dû faire. Ah, eh bien. Allez, joue ton deuxième, gamin. Y'a pas de Souka qui arrive. C'est peut-être la game qui va sauver Vitality, les gars. Ouais. Et j'utilise bien le terme sauver. S'ils survivent à ça, demain ils pourront faire une bonne journée et tout. Peut-être. Mais il faut qu'ils survivent à ça, les gars. Il avait 5 kills, si je dis pas de bêtises là. Il avait déjà 5 bombes, ouais. C'est pas mal. Mojo 0 kill à la flotte en train de nager, c'est terrible. Ça, c'est des images qui font mal, hein. T'as pas envie de voir ça. Hein. T'imagines, si vous avez casté, tu vois, gros Malog dans l'eau tout le temps. Tu aurais eu bien raison. Uxom qui se prend un kill facile sur un clavier souris. Ouais, la double tour par Shifty Biffle. Oh là là. Et l'Olam, c'est dur. Oh là là. Elle se fait traquer, mec. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle horreur. Les chasseurs-cueilleurs. Putain. Les fameux. Et Biffle au snipe, on aura tout eu. Ah oui, ça teste peut-être des strats pour demain déjà, ça se permet un peu de tester les trucs. Regarde-le, il voit des gens, hop, il y va. Il commence à se rapprocher avec son cousin Shifty là. Et là ça pue. Oh, ouais. Il s'est fait chier dessus. Et ouais. Nice, l'Elix, il va se faire trade. Non. Ah non, parce que Shifty entre temps a tué l'autre. Ah. Ouais. Là c'est un verre. Et là t'inquiète qu'il va pas le lâcher. Ok, ça remonte bien. Tu veux voir si la Betty va se déclencher par rapport au fait s'il est à droite ou à gauche. Nice, Elix qui. Ouais, Elix qui a pris sa bonne ligne, etc. Tu vois. Je suis d'accord. Ouais. Il va tomber malheureusement. Biffle carte de jeu quand même. Biffle qui allait commander le McDo, gros. Oui, c'est levé, alors le gars, c'est. Tu peux me mettre ça, s'il te plaît? Ok. Retire la salade, s'il te plaît. Pas de cornichons dans mon double cheese. Ouais, au mythe, c'est pas bon. Ça sent pas bon, ils ont pas réussi. Ils ont fait un bon début, mais là, ils sont sortis de leur game. Ok, Vita, ça fight. Anxiom qui a réussi à réanimer ses teammates. Wipe. Méthode sick. Ok. Rien de spécial, ils ont 106 points. Ouais, c'est déjà bien. Ah, le pauvre Joe, ça lui prend de la peine, peu cher. Bah, ils ont l'air de se réveiller, mais c'est trop tard, quoi. En fait, regarde comment ils déplacent. Oulala. Quoi? Tu l'as vu? Non, tu l'as vu? Wipe. Non, arrête. Je te jure. Top 11 pour Vitality. Oh my god. Non, mais Cloud9 qui pourrait peut-être faire un retour fracassant. Il est doublé, hein. Je sais pas. Non, mais Joe, il est vraiment gros. Genre, même à ses mouvements, tu vois qu'il est pas dedans, frérot. Ouais. Genre, c'est trop compliqué, gros.
Après le match, il n'y a plus de redeploy, non? Voilà, Briman, il est caché sous l'escalier. Non, mais c'est, là, c'est pas possible pour eux, Boulet. Pas possible. Ça court dans tous les sens. Non, mais attends, mais Vita, gros. C'est pas possible. Non, mais Vita, j'essaie de réfléchir dans ma tête. Je vois pas d'équipe passer devant. Parce qu'au mid, ils ont pas fait une bonne game. Le truc, ça aurait été vraiment au mid, quoi. S'ils font... Après, ils sont encore en vie, hein, au mid. Donc, il y a Tenux qui est là, tout seul, par contre. Ils sont où, au mid, là? Il est là, tu vois le 11, là, dans les tentes, là. Au mid, Tenux. Ah ouais, dans les putain, box. Tenux, il est capable de tout, gros. Il est fou. Toujours. Hein. Il arrive toujours à les maintenir en vie, c'est pas trop comment. Et ça, c'est le game changer parce que c'est l'équipe qui les colle juste derrière. Donc, JTEC qui meurt, il reste que Tenux. Ça, ouais, ça il a une arme de merde, il est collé à Isoka Bifol. Ouais, non, ouais, il peut rien faire. Paraît compromis, ouais. Il a qu'un kill. Il a intérêt à faire le mort. Hein. Ah, par contre, Zaka, Rocket, Clap. Mmh. Oh, ouais, oh les gars, là, c'est grave. Hein. Là, c'est grave hein, parce que. Ouais. Ça va peut-être s'arrêter maintenant, je te mens pas, chaud. Oh my god. Le mec, regarde le top 10, il a 104 points. J'ai fou. Ouais, top 10 à 104. Et. Oh là là. Ouais. Il a fait ça. T'as vu pour est-ce qu'il a foutu le. Il a foutu une frappe de mortier. Il a foutu une frappe, non, ouais, un truc. Sur le bout du canon. Mais t'as compris pourquoi? Non. Pour couper la rotation direction E. En gros, okay. pour qu'ils gardent le head glitch du muret et que personne puisse venir de leur côté. Ouais, c'est ça, mais ils ont clear encore tout leur side, ils vont avoir un slide d'IP. C'est immensément malin. Hein. C'est très très malin. Oh. Ah, mais attends, et l'Olam, c'est au mythe, hein? Ouais, s'il prend une moins 2 là-dessus sur Cloud9. Et Tenux il meurt, dommage. Tenux qui meurt wipe là-dessus, waouh! Et là, c'est Cloud9 qui a peut-être un créneau. Hein. Cloud9? Vraiment, ils sont loin, frère, non? Ils avaient trop de retard, je sais pas. Je crois qu'ils étaient vraiment à la rue. Ouais. Ah, ok. Bah, alors, on va voir. Alors, c'est peut-être eux, du coup, plutôt. Hein, polonais, 9 kills, Zakar qui re-res. Mais Zakar qui a enchaîné 2 games à 9 kills hein, sur les 2 dernières là. Et eux, ils vont encore back-to-back-to-back. Ouais, ça m'a l'air. Hein. C'est l'équipe qui a le plus de portions de zone. Ouais, ça sent chaud, ça sent le perfect aujourd'hui. Back-to-back-to-back-to-back. Hein. C'est pas possible de autant dominer. C'est terrible. Ouais, mais là ils jouent avec la confiance, mec. Ils ont une recette qui marche. Genre. Et Clacker, Zakar et tout, ils étaient bien? Ils étaient pas bien, ils étaient justement dans le débat pour le top 14. Donc là, c'est très bon pour eux. Pas bon pour Omid, pas bon pour Vitality. On va voir comment ça se passe, les gars. Ouais. En tout cas, ils sont pas bien passés. On a il arrive pas à choper le kill, Rocket. Ouais, il a une arme un petit peu. Ah, elle est bancale, ouais, un peu cette arme. Ah non, là, il faut pas rester près de ces mecs là, il faut s'étaler là un peu. Ouais. Là, il faut aller chercher les kills, gros, il faut arrêter de temporiser. Oh là là, Clapper qui se prend le truc dessus. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Il y a une bagnole qui est sortie nulle part là? Attends. Hein? Mais regarde tous les kills qu'ils prennent, gros. C'est Isoka qui tue tout le monde. C'est Joro qui est un move en zone. Mais d'où elle vient cette voiture, gros? Mais j'ai gros des airs du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh my god, il y a une voiture qui est sortie de nulle part. Mais c'est qui le taré qui a fait ça, gros? Je crois que c'est News, mais. Oh, le monde au top. Oh, les C4 font du bien. 3v2v1. 3v2v2, my bad. Là, c'est des bons kills pour Zakar, hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est des kills qui peuvent faire la différence. Et là, c'est terminé, c'est Falcon qui sort. Là. Non, mais voilà. Les gars. Ouais. Unbelievable performance from the Falcons. Encore une, ils avaient la nuque. Hein. Encore une, ils pouvaient faire le contrat. Gros, ils avaient le contrat nuque juste après. Hein. C'est quoi, c'est cool.
money and the glory. Well, let's check it out. Of course, oh my god. Oh my god. Les Vitality qui sont dedans, les gars. GG à eux. Mais tellement close. Oh my god, ça veut dire que les Polonais qui font une putain de game, ça a dû se jouer, ils ont dû revenir juste ouais. derrière. Mais gros, Omid qui sont Omid deux points derrière, gros. Wow. Bah par contre, là, ok, ils sont dedans, gros. Demain, il va falloir quand même beaucoup plus briller. Hein. C'est parce que là, bon... Après pour leur défense, les gars, à Vitality, ils ont eu des Lennon, des Jukeys et tout qui leur auraient tombé dessus tout le long. Avec derrière un Dungi qui venait les backstab, etc. C'est vrai. Mais deux dernières games, il n'y avait quand même pas l'équipe de Tommy. Hein, et c'était pas deux fameuses. Donc il faut qu'ils analysent bien ce qui fait qu'ils font des bonnes games. Là, il va falloir travailler, gros. Ce soir, ils n'ont pas intérêt à foutre la chouille. Il va falloir bosser.